nouvel abonné, bonjour. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander souvent quel matériel j'utilise, quelle tension sur les peaux, quelle peau, quelle baguette. Donc je vais faire aujourd'hui cette vidéo un peu pour vous dire ce que j'ai, voilà, et éventuellement peut-être vous donner des conseils pour la maison. On va peut-être commencer par le début. Donc déjà, niveau baguette, voilà ce que j'utilise actuellement. Voilà les deux modèles que j'utilise le plus. Alors, c'est des baguettes Justin Larue, ce sont des 5A en Icori, celles-ci. Donc Justin Larue qui est un fabricant français basé à Lavore, si je ne dis pas de bêtises, petite dédicace Justin, voilà. Et nos chers amis américains, voilà, les Vic First. Alors moi je joue avec des baguettes F1, avec le bout bien rond comme ça, Vic First F1, Vic First F1. Voilà, j'aime bien du coup ces F1 parce que les bouts ronds et durs comme ça ont un effet très très précis lorsqu'on va faire un roulé ou les petits pings sur les rides sont, je trouve, plus affirmés comme ça. Voilà, et les Justin Larue sont très très bien équilibrés, relativement solides parce que j'ai une frappe assez costaud. Donc voilà, de très bonnes baguettes. Donc à y être, pourquoi pas faire travailler le drapeau bleu, blanc, rouge plutôt que nous Américains. À vous de voir. Après, il faut aller en magasin, il faut essayer. Donc je vous invite à aller dans votre shop. Pour les Toulousains, bien sûr, aller chez Buddy. Il y a un bar à baguettes. Vous pouvez essayer toutes les baguettes que vous voulez. Voilà. On va continuer peut-être du coup avec les pots. Alors je vous embarque avec moi. Alors, niveau classique. On va peut-être commencer par ma vieille batterie. Venez voir. Voilà, tout ça pour vous dire, je vous présente ma vieille. Alors ma vieille, voilà, sachant elle a bien 40 ans cette batterie que j'avais achetée à mon voisin à l'époque, David. Je te fais un petit clin d'œil si tu regardes la vidéo. Voilà, tu vois, elle est toujours là, elle est en très très bon état. Je l'ai rattrapée avec de la paille de fer, grain zéro. Franchement, elle est limite pas piquée, elle a 42 ans. Bon voilà, la marque c'est Heating, c'est une sous-marque qui, on va dire, copiait peut-être Pearl. Le bois, je vais vous le dire clairement, c'est de la merde. C'est un pauvre contreplaqué de base. Mais croyez-moi, elle a fait son temps, elle a fait son boulot. Ma petite caisse claire d'études ici, c'est une Ludwig. Allez, je vais vous la montrer. Légèrement pailletée. Hop, si j'arrive à vous choper la référence par là, ouais, voilà. Voilà la caisse claire avec des cymbales relativement merdiques. Vous voyez, je peux vous le dire, hein. Ça ne vous empêchera pas de jouer, c'est pas la peine d'avoir un matos de fou. Voilà ma grosse caisse, mais écoutez, il y a un petit coussin dedans. J'ai un 12 ici avec une Evans, pour vous dire, hein, regardez, une Evans G2, voilà, qui ne sont pas très très bien réglées. J'ai une Pinstripe ici avec un tome de 13, qui est encore moins bien réglé, et un tome de 16 pouces avec cette caisse claire. Vigue avec une peau assez détendue. Voilà, tout ça c'est vraiment mon petit matos d'étude. Voilà, mais qui va très bien si vous devez jouer, voilà, il n'y a pas de souci. Ça peut bien sonner. Je vous avoue que je m'en occupe pas très, très bien de cette batterie-là. Donc du coup, voilà, bon, elle est belle. Et puis pour rien au monde, je la vendrai, je la garderai toute ma vie celle-ci. Voilà, alors, voilà la batterie que je peux utiliser donc, pour les vidéos, bien sûr, que j'utilise pour les vidéos, mais également et très prochainement sur scène, je vous tiendrai au courant. Voilà, donc là, c'est une DW Design série vraiment mate. En config ici, j'ai une grosse caisse de 22 pouces. Voilà, j'ai eu du 20 pouces à un moment donné. Ici, j'ai une Remo Power Stroke Black. Voilà, le bois, c'est de l'érable. Donc, sur cette batterie-là, niveau des tomes, je vais avoir du 10 pouces, 10, je vous dis pas de bêtises, hein, 10, 14, 16. Hop! Je prends ma baguette en même temps, voilà. Mais bon, ma batterie, vous la connaissez au niveau du son, mais vraiment, voilà, on va aller un petit peu. 10, 12, 16, pardon, excusez-moi, je vous dis vraiment des bêtises. 10, 12, 16, donc mon 10 ici avec les pots code, voilà, générateur. Ici et là, donc pour mes 3 tomes, le 16, le 12 et le 10. Sur ma caisse claire, j'ai donc une code Stirling. Et donc ma caisse claire, c'est toujours la Pearl Dennis Chambers que j'ai recustomisé un petit peu. Voilà, hein, j'ai juste simplement mis un adhésif dessus parce que je voulais qu'elle change de look. Voilà, Yana, ça les rend fous de voir que j'ai fait ça. Mais
de vous à moi, c'est la mienne, j'en fais encore ce que je veux. Si je veux enlever l'adhésif, je peux l'enlever, on va retrouver son effet qu'elle avait avant, quoi. C'est-à-dire ce blanc un petit peu cassé, que j'aime pas trop, je sais pas, j'aime pas trop, j'aime pas du tout même, voilà. Par contre, j'adore le son de cette caisse claire, voilà, mais je vais peut-être la changer, voilà. Donc elle est à vendre d'ailleurs, hein. Voilà, elle est à vendre, je vous l'ai affichée dans les postes, elle est à 390 €, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous me faites un petit message et on se rangera ensemble donc par mail, hein, voilà. Voilà, au niveau de la batterie, donc la DW Design Series. Sur les pédales, je suis resté chez DW aussi. Donc j'ai ce DW 3000 pour le pied de charlet avec simplement deux embases, qui est très très solide, ça ne bouge pas franchement. Pas de peur à avoir, les deux embases, ça va très très bien. Et un double pédale que j'utilise peu, je suis pas... Mais je l'ai, voilà. Je joue pas trop de la double, de temps en temps, sur quelques morceaux lorsque j'en ai besoin. Et sur quelques plans, voilà. Donc là, c'est la DW9000 qui est juste remarquable et très très bien équilibrée. Mais c'est pareil, vous pouvez trouver des trucs d'occasion à vraiment pas cher. Je pense à des Iron Cobra ou des trucs comme ça. Chez Tama, qui sont bien aussi, pas très très chers en occasion. Vous pouvez trouver, voilà. N'allez pas vous ruiner. Pour info, la marque Code, c'est... En ce moment, limite, la moins chère du marché est pour moi vraiment celle qui sonne le mieux. Donc voilà, n'allez-vous pas vous ruiner. Ensuite, au niveau des cymbales, bon, mais vous le savez, hein, c'est mon partenaire donc Mystic Cymbal. J'ai fait plein de vidéos d'essais de mes cymbales avec ce Charleston ici en 14 pouces dans les modèles Dragon. J'ai une Crash de 16 pouces chez les Dragon. Une 18 pouces, Dragon toujours. Une Ride en 21 pouces. Et une China en 18 pouces. Ici le stacker Horus avec double cymbale renversé en China. Et une Kraken en splash je crois qu'elle est de 10 pouces, me semble-t-il. Voilà. Après j'ai un petit crasher ici, un petit effet de percu qui est assez sympa. J'ai déjà joué ça sur quelques titres. Et une cloche, mon SPD30, voilà, de chez Roland également. Avec une pédale avec capteur renversé ici, qui est donc le KD7. Pédale simple, notamment de base. Voilà. Pour le tour du propriétaire, la caisse claire Dennis Chambers, c'est aussi de l'érable. Voilà, pour ceux qui veulent connaître le bois. On est avec du cercle moulé sur la caisse claire et par contre des cercles emboutis sur la batterie. Voilà, ensuite, de toute manière, vous allez dans les playlists essais de matos et vous allez voir du coup comment on fait pour changer les pots, quelle tension j'ai mis dessus. Voilà, vous allez trouver toutes ces infos dans les playlists. Hein, sur ma chaîne, il y a les playlists. Et là, du coup, tout est relativement bien rangé. Mais j'ai quand même fait cette vidéo pour reparler un peu de tout de manière générale. Voilà. Après, on peut arriver à faire sonner une batterie. Je vous dis, celle-ci, par exemple, voilà ma vieille batterie. C'est parce que je m'en occupe pas, enfin je m'en occupe si quand même, vous avez vu dans quel état elle est, un très très bon état. Mais bon voilà, après au niveau des réglages, je pourrais aussi équiper de marques code dessus et me mettre quelques tours de clé là-dessus de manière à ce que ça me plaise. Je vous ai expliqué aussi dans une vidéo comment faire pour régler donc, vos tomes de manière harmonieuse. Ça c'est sur la tension des tomes. On peut faire ça sur n'importe quelle batterie, voilà. On n'a pas besoin d'avoir un fric monstrueux pour aller s'acheter des batteries de fou. On peut très bien avoir une batterie d'études et de l'équiper par contre de bonnes peaux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec les peaux, vous allez arriver vraiment à avoir un assez joli son, même si vous avez une batterie en contreplaqué. Voilà, chacun va faire avec ses moyens. Voilà. Si un jour, vous pouvez vous faire plaisir à acheter une belle batterie de grande marque ou de gamme, ça sera tant mieux pour vous, bien évidemment. Voilà. Mais voilà, même avec une batterie toute simple, les pots, c'est très important. Voilà. Mettez le budget là-dedans. D'accord, mettez le budget, c'est pas ce que je veux dire. Mettez pas forcément de prendre les plus chers. Je vous ai dit, la marque Code, très très bien. Voilà, vous avez... il n'y a pas d'artifice dans mes vidéos. La plupart des batteurs qui font des vidéos comme ça ont des micros de super bonne qualité. Ils vont passer par un logiciel d'enregistrement, un Pro Tools ou autre. Voilà. Avec l'éclairage, vous avez vu, là, ici, vous êtes dans mon garage, en bas, où j'ai juste mis quelques fonds de parquet sur les murs et le sol. Tout simplement, le son que vous entendez sur mes vidéos de batterie, c'est un iPhone 7. Basta. Voilà, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'effet dessus. C'est le brut de chez Brut. Voilà. Donc, ça vous donne quand même... alors, ce n'est pas le vrai effet, évidemment, le son du téléphone, ce n'est pas quand on est sur place. Voilà, vous doutez bien qu'évidemment, la DW, elle va avoir un son comme un camion. Elle sonne vraiment super bien.
et simplement avec ces pots codes. Voilà. Ce qui est important, c'est vous aussi, la manière dont vous allez frapper. Là, c'est pareil, hein, j'ai fait plein de vidéos sur la technique de frappe et tout ça. Et c'est tout ça qui va vous aider. Voilà. Oui, des pots neuves. Ne jouez pas des vieilles pots pourries ou les pots d'études que vous avez sur votre batterie. Ça, il faut le changer. C'est important. Voilà. Moi, c'est vrai que j'affectionne Code, mais bon, vous avez Remo, Evans, il y a plein de marques de pots qui sont très, très bien. Hein. Voilà, il faut essayer. Passer d'une gamme à une autre. Si on va à une frappe rock, il va falloir des pots épaisses, souvent des doubles épaisseurs. Si on va préférer du jazz, on aura des pots très très fines pour avoir un maximum d'harmonique. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu. Du moins, je pense avoir répondu à vos questions quant au matériel que j'utilise. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous dire à vos baguettes et à très bientôt. Merci pour vos likes, tout ça. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram, Facebook. Voilà, merci vraiment beaucoup pour tous ces abonnements qu'il y a de plus en plus chaque mois. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.